Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, alors on est mardi matin. Vous me voyez là, encore en pyjama et tout. Avec moi. Avec qui est là, ce petit lapin. Je vous montre ce petit lapin, il est trop belle. Allez, salle de bain. Parce qu'en fait j'ai mis un masque dans les cheveux. C'est pas moi qui emmène à l'école ce matin, c'est Nico. Ça c'est plutôt pratique maintenant que il bosse à la maison. Et ben on peut, il peut emmener là à l'école aussi le matin. Donc voilà, vu que je voulais faire mon masque et laisser poser, c'est pratique. Et puis surtout j'ai plein de trucs à faire ce matin. Donc ça va me permettre d'avancer, de pas perdre une demi-heure. T'as vu? Donc allez, hop, brossage de dents et puis débarbouillage. Bon, on se retrouve, il est maintenant 13h. J'ai pas vlogué ce matin, on a bossé avec Nico, fallait qu'on s'avance parce que là on va partir d'ici une vingtaine de minutes à l'aéroport. J'ai mis ma nouvelle montre, c'est une nouvelle montre, je vous l'ai montrée sur Insta. Hop. Et du coup elle va bien comme je suis habillée, je pense pas garder ce gilet parce que sinon ça fait vraiment paysanne de la campagne. Ça fait vraiment un look, j'aime bien, moi ça me plaît trop. Mais je pense que je vais peut-être mettre plutôt ma veste en jean. Mais vu que j'ai prêté la claire à Sabine, j'ai que la foncée, je sais pas. J'aime bien comme ça. Mais c'est vrai que ça, je sais pas, faut voir. Je vais voir ça dans le miroir. Hier, j'ai passé chez Tiger, j'ai acheté ça. C'est un shot de gingembre. Donc c'est du gingembre uniquement. Voilà, pur. Ah non, pas du tout. Je dis des bêtises. C'est censé être du gingembre pur, mais chez Tiger, ils mettent du citron vert, de la pomme. Ouais, en fait, c'est du jus de pomme, du jus de gingembre et du jus de citron vert. Ils coupent parce que peut-être le gingembre pur, c'est peut-être pas possible. Mais normalement, c'est très fort. Tous ceux que j'ai goûté déjà, c'est très très fort. Et ça te met un coup de boost. Alors, je vais en boire maintenant. Je vais peut-être pas boire le truc en entier, ça me fait un peu, ça me paraît beaucoup. Mais ça va me mettre un petit coup de fouet pour le reste de la journée. Bon, c'était pas du tout un vrai shot de gingembre. Ça avait le goût de gingembre, mais ça avait plus le goût de jus de pomme. Ils me ont arnaqué. C'est passé un shot de gingembre. Shot de gingembre, je crois qu'il y a que du gingembre. Hein. Clairement, c'est hyper fort et tu le bois, tu fais... Ça va juste me... Comme si j'avais bu un jus de pomme, quoi. Bon, on va finir de se préparer et on va y aller. T'es prêt toi? Pas du tout, t'es en jogging? J'ai pas rien préparé. Bébé, on part dans un quart d'heure. Les hommes, mon dieu. Bon, voilà ma tenue. J'ai mis ma jupe à sauce, mes Converse, mon petit haut mango. Voilà, je vais mettre ma veste en jean. D'ailleurs, je vous poste tous mes looks en ce moment sur 21 Buttons. Je vous en ai déjà parlé en vlog et sur Insta, c'est pas du tout en partenariat, mais je trouve que c'est une appli qui est top et qui est gratuite, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de mon profil dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre et vous inscrire, ou juste me rejoindre si vous êtes déjà inscrit, vous abonner à ma page. En fait, vous avez tous les liens de mes habits, vous avez juste à cliquer sur l'habit et ça vous renvoie sur le site. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, le principe, c'est que moi, je touche une commission si vous achetez un vêtement. Et vous aussi, du coup, faire pareil, mettre les liens de vos vêtements et avoir des commissions si les gens les achètent. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est la première fois que des gens qui ne sont pas blogueurs ou instagrammeurs ou influenceurs peuvent aussi faire de l'affiliation et se gagner un peu d'argent en montrant leurs vêtements, quoi. Je trouve le principe vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire vous aussi, parce que c'est toujours ça. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous achetez beaucoup de vêtements, ça peut être sympa. T'es prêt, mon petit américain? C'est parti. Regardez-le-moi, ce petit homme d'affaires, là, ça y est. On dirait pas bientôt, il ira travailler le matin sur Paris, il reviendra le soir comme ça. Hey, salut. Trop drôle, ce mec. Je viens juste d'arriver à la clinique des champs, je suis à Paris. Je vais pour mon rendez-vous Invisalign, qui est un de mes derniers rendez-vous. On va voir un peu ce qu'elle me dit. Normalement il me restait 2 semaines, mais je sais qu'on prolonge un peu, donc on va voir avec elle.
Bon, du coup, je sors de mon rendez-vous. Je la trouve au top. Ma dentiste, elle est vraiment géniale. C'est Dr Cohen. Elle est au top. Enfin, mon orthodontiste, elle me conseille super bien. Donc, on va prolonger le traitement. Mes dents, elle est trop trop contente. Mais j'ai une dent en bas qui n'est pas montée. On le sait depuis le début. Elle ne monte pas comme les autres. Donc, ça demande des corrections. Elle m'a dit, vous n'aurez pas fini avant l'été. Voilà. Donc, elle m'a dit septembre pour voir large. Mais ce sera peut-être moins. Enfin, c'est en fonction de la commande des gouttières. Là, elle va le faire de suite. Moi c'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit nickel donc, parce que bon moi je veux un résultat optimal. Donc là j'ai commandé un Uber, je vais à un anniversaire surprise. Je vais à l'anniversaire de Lali, donc maman Flouch ou madame Flouch pour ceux qui ne la connaissent pas sur Insta. C'est une surprise mais la surprise a dû déjà avoir lieu parce que j'arrive après la guerre. Mais c'est pas que je viens, donc moi c'est aussi une surprise le fait que j'arrive. Je suis contente, c'est dans un resto qui est pas trop loin donc ça devrait pas mettre trop de temps. Il y a Gaëlle qui est là, enfin je suis trop contente, ça tombe trop bien que je sois là aujourd'hui. Et voilà, donc pour mes dents, je vous expliquerai tout ça quand on rentre à l'hôtel. Parce que là je suis un peu dans le jus. Mais bon, franchement je suis contente, j'arrive en fin de traitement et ça s'est hyper bien passé et tout est nickel quoi, c'est trop cool. Ça me fout, tu sais que je ne tiens pas l'alcool, j'ai bu un demi morito fraise, ça me chauffe. Ok, elle est déjà bourrée là-bas. Non mais oh, là, j'ai l'air du discours. Je suis très touchée de voir mes copines. J'avoue, je ne sais pas quoi dire tellement ça me choque. On a l'anniversaire de Lali, vous l'aurez compris, je pense pas du tout que vous m'entendez. On va offrir les cadeaux et souffler le gâteau. Enfin, elle va souffler le gâteau, il est trop beau le gâteau. Mais qu'est-ce que c'est? Père! Père! Mais je suis choquée! Attention! Bah ouvre, bah avec une grosse contenance, hein. Parce qu'on en avait marre de faire toujours avec tout. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. J'ai 30 ans et un sac en laine. Bon, ça y est, regardez qui j'ai retrouvé. Salut. Mon mari. On vient d'arriver dans la chambre, on est à l'hôtel du temps à Paris. C'est hyper joli, je trouve que la chambre est hyper canon. Je vous montre ça de suite. J'adore, ça pourrait être ma chambre. C'est le genre d'ambiance que j'aime trop. Sauf qu'elle est rangée ça. Sauf qu'elle est rangée et que ma chambre elle ressemble pas du tout à ça. Alors, mon Nico va gâcher tout mon room tour, je le sens. J'ai besoin de me brosser les dents. Alors vous voyez, là il y a déjà le fait d'avoir mis du bardage en bois là pour les murs, j'adore. C'est très blanc. Mais il y a du bois partout, c'est ça que j'aime beaucoup. Les couleurs sont très très mignonnes. Déjà il y a du bois clair. Et voilà, c'est tout cosy en fait, c'est trop joli, j'adore. Moi, j'ai déjà dormi dans cet hôtel. Et Nico a déjà dormi dans cet hôtel, moi non, c'est la première fois. Et ce que j'adore c'est la salle de bain avec la petite verrière là. C'est trop canon. La salle de bain elle est vraiment très jolie. Pourtant c'est très simple hein. Mais c'est trop mon style. Ouais, c'est beau, moi j'aime bien. J'adore, franchement j'adore cet hôtel. Voilà voilà, je suis contente. Donc du coup je voulais vous faire un petit retour. Déjà on a passé une très bonne soirée avec les filles. J'étais contente d'être présente pour l'anniversaire de Lali. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et que bah, je vois pas souvent parce qu'elle habite à Clermont-Ferrand. Donc clairement c'est pas trop à côté de chez moi. Donc là ça tombait hyper bien. En plus il y avait Poussine, enfin il y avait plein de gens que j'appréciais. Les filles étaient super cool qui étaient là ce soir. Donc c'était cool. Nico là bah, c'est une bonne soirée aussi, il était à un événement Lidl et apparemment il a découvert un super robot de pâtisserie et tout, donc il était content. Pour mon rendez-vous au niveau des dents, donc j'ai pas encore dit à Nico, donc elle m'a refait les empreintes parce que vous voyez en fait mes dents sont nickel à part celle-là qui n'est pas montée comme les autres. Alors ça arrive, hein, on peut pas trop l'anticiper ce genre de choses. Elle m'a dit des fois on sait pas, il y a une dent qui suit pas le mouvement et tout. Et elle était trop trop contente du résultat. Elle m'a dit franchement, en plus elle était trop drôle parce qu'elle me dit ah trop mignonne votre fille et tout. Elle a dit je vous suis en story, je fais toujours bien attention que vous ayez bien vos gouttières et je vois que vous êtes très assidue parce que moi je le vois direct quand vous avez vos gouttières et tout. Trop drôle.
Et elle était ravie, elle m'a dit regardez vos dents au début et maintenant. Elle m'a remis les images, c'est un truc de fou et tout. L'arrondi est nickel en haut, en bas, enfin parfait. Et on fait toujours des petites finitions à la fin. Et là, bon, la dent qu'il faut faire remonter, elle, elle veut absolument que ce soit parfait, donc on la remonte. Et elle dit que les deux dents devant sont un peu, elles ont reculé, mais elles sont un peu incurvées vers l'arrière, elle trouve. Donc elle veut qu'on fasse cette finition dessus aussi. Donc je repars sur des nouvelles gouttières. Donc là j'ai mes gouttières que je dois conserver, que normalement je devais remplacer aujourd'hui. Mais vu que j'en ai plus, elle m'a dit vous les gardez encore 2 semaines. Dans 2 semaines elle m'appelle pour que je puisse avoir mes nouvelles gouttières. Donc peut-être que Nico me les récupérera à Paris, ou peut-être qu'on s'arrangera, on verra. À Paris, vous? Bah, en mois de mai quand tu viens à Paris. Ah oui, je suis à Paris début mai. Mais s'il faut me remettre des taquets, je vais être obligée de revenir. On verra. Elle pourra me dire ça que quand elle les aura reçus. Et elle m'a dit ça va prendre un petit peu de temps. Elle peut pas savoir à l'avance que c'est Invisalign qui va créer le truc et qui va calculer le nombre de semaines qu'il me faut. Mais en gros, elle me disait que elle pense que d'ici, enfin elle m'a dit en septembre ce sera fini. Elle a dit je préfère vous dire septembre parce que bah, comme ça si ça se finit avant vous êtes contente. Mais bon, faut se dire que ce sera pas fini avant l'été quoi. Mais ce sera fini cet été sûrement. Donc moi je suis contente parce que de toute façon je suis habituée, donc limite je m'en fous un peu de porter des gouttières. Et là en plus je suis contente parce que les gouttières que j'ai là pour... Qu'est-ce que t'as encore? Ouais, j'ai ma boule qui a craqué là. Ma douleur aux adducteurs. Nico il s'est fait un claquage la semaine dernière et depuis il fait que sursauter comme ça. La gouttière que je dois garder pendant 2 semaines, elle m'a dit bah vu que là en fait elle sert plus à rien, faut la mettre juste la nuit pour pas que les dents rebougent, mais la journée vous avez pas besoin de les mettre. J'étais là oui. Donc pendant 2 semaines j'ai pas besoin de mettre 2 gouttières la journée, je suis trop contente. Je vais te réveiller demain avec cette verrière quand je vais me doucher et tout. C'est pas grave. Bref, on va vous laisser. Nico a un vol demain matin à 8h, moi j'ai le vol du soir. Du coup, il part de l'hôtel à 6h30 du matin, il est au bout de sa fille. Je sais exactement comment ça va se passer. Tu vas louper le... Non, je vais pas louper l'avion. Par contre, quand je vais rentrer à la maison... Tu vas dormir. Ma mère, elle va rester garder un peu la petite. Et moi, je vais me recoucher. Il dort dans l'avion, ça suffira. Mais d'où on dort bien dans l'avion? Sa passion, dormir. Bref, je pense que ce vlog n'est pas hyper long, mais demain, ça va être super cool. On a vraiment une super journée de prévue. Vous n'avez même pas vu encore Gaëlle, mais Gaëlle est là. Dans l'hôtel. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao !